Le 9 décembre dernier, toute la France rendait hommage à Johnny Hallyday, trois jours après son décès à l'âge de 74 ans. De nombreuses célébrités, venant de tous les horizons, ont assisté à la cérémonie religieuse qui a eu lieu à l'église de la Madeleine, dont Alain Souchon. Le chanteur était invité ce 14 décembre sur le plateau de Quotidien, et a livré de touchants souvenirs sur le rocker. Il n'en garde que de bons souvenirs, je le voyais de temps en temps, il m'impressionnait beaucoup parce que quand il rentrait dans une pièce, Johnny, ça changeait l'atmosphère. Il avait un truc qui émanait de lui qui était très très fort, et qui était impressionnant. Et en même temps, il était extrêmement gentil. Mais extrêmement attentionné. Je suis parti avec lui en Irlande, il était attentionné, gentil, il disait, regarde, pour ta femme, rapporte-lui un pullover comme ça, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Il était très gentil. Il était impressionnant, parce que justement, c'était un type, qui faisait un peu peur tellement il était rayonnant et resplendissant, et en même temps, tellement gentil et tendre. Johnny Hallyday a été enterré le 11 décembre dernier à Saint-Barthélemy, île des Antilles qu'il aimait énormément.